parece que continuamos nuestra... Bueno, empezamos a trabajar efectivamente. Van a ser abiertos con el profesor Jean-François Potel. Tal vez hemos venido un poco mal de tiempo. No es cosa que... Pero, no sé si es bibliográfica, bibliográfica muy extensa. Pero hay que recordar que él profesor fue... Ahora es médico, profesor catedrático de la Universidad de Rennes, uno de los fundadores, en cierto modo, de esta propia universidad, que fue rector en los años 80, especialista en cultura y literatura, especialmente en el siglo XIX, es uno de los más grandes hispanistas que hay en todo el mundo, fue presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas. Los hispanistas son un género que hoy se está transformando respecto a lo que fue en los años. Fins a 49, el principio del 20, lo que era una mirada un poco superior y distante de quien venía, en este caso, a España, a estudiar. Él le dio un cambio muy notable en esta dirección. Es un hispanista que entiende España y que entiende cultura española y a cultura española en su universidad también. Especialmente en el caso galego, porque tuvo un contacto muy intenso desde los años 80. Con Galicia, de forma directa o indirecta. Aparte de eso, pues han hecho obras singulares, como la versión francesa de La Regenta, estudios muy sistemáticos sobre que no es, la literatura que aparentemente no es literatura, edición que aparentemente no es edición, la literatura de Cordel, en fin, toda esta literatura no formal, que es extraordinariamente importante en la construcción de una cultura, de una alta cultura. Por tanto, es una honra que podamos tener aquí. No es la primera vez que está, pero es una buena honra. Y yo vuelvo a decir que él participó muy activamente en el diseño de este congreso y, por tanto, es lo que va a explicar también la razón por qué lo hacemos este congreso. Merci. Je commencerai par une citation de Castelao qui, en 1929, disait ni os bretons nos conocen, ni nos a ellos. Et tout est bien triste. En effet, je dirais, du point de vue de la Bretagne, la Galice a longtemps été mal connue. En Bretagne, malgré Pontus, malgré Lancelot et la force de l'imaginaire arthurien, malgré l'évêque de Bretonia, Maillocus, Briconensis Ecclesiae Episcopus, malgré la présence de Saint-Jacques et de la littérature jacquère, comme dans la Guerre de Don Jean d'Errian, en Bretagne, on le rappelait hier, le chemin de la Voie lactée s'appelle le chemin de Saint-Jacques, et une Saint-Jacques. Qui mène au purgatoire, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un signe, ou plus terre à terre, si on peut dire, les échanges maritimes autour des marchandises de Bretagne, malgré aussi les mots parfois vifs échangés entre les cousins pêcheurs de Galice ou de l'Orient et de Concarneau, malgré tout ça, la Galice a longtemps été mal connue en Bretagne. En 1904, comme le rappelait Ramon Bigalet dans son discours à l'occasion de la réception de son titre de docteur honoris causa, Charles Le Goffic ne mentionne pas la Galice dans son essai sur le mouvement panceltique. Et parmi les barbes contactés par les Celtas, ou Souls, comme ils se nommaient, tenant de la Galicia Celtica et des porteurs de la Esperanza Celta, seul Phileas Lebeil, qui n'est pas vraiment un breton, semble avoir une certaine connaissance de la Galice. Car ce qu'en dit Albir, je ne vais pas citer ici, mais c'est assez consternant, sur la Galice, est évidemment pour le moins approximatif. Bon. Il dit, alors s'il se réfère à la Galicie, dit-il en français, ce finistère ibérique où 3 millions d'habitants irrédentistes portugais, ne supportent qu'à contre-cœur le joug
de la Castille, ils s'appellent eux-mêmes dans le dialecte Poblo, Poblo Gallego, c'est-à-dire Arpont Galette, le peuple gallique. La caractéristique de leur race est la saudade, disent-ils. C'est-à-dire d'être sauteuse, fondeuse, légère, quand on sait que la saudade, c'est plutôt un sentiment de mélancolie. Cette vraie regrettable méconnaissance de la langue culturelle est encore constatée par le journaliste d'Ouest-France Joseph Fontaine, qui découvre la Galice en 1966. Cette méconnaissance a commencé donc à progresser au début des années 60 à partir de deux axes d'approche principaux, celui de la recherche des ressemblances, mais aussi celui du développement économique. Pas forcément homogène. Donc, la Galice, c'est d'abord une Bretagne ibérique. Voilà, je crois qu'on le voit espagnol ou ibérique, selon les cas. Et il faut reconnaître qu'à cette époque, l'image de l'Espagne en France et en Bretagne est plutôt celle de Carmen que celle de Maria Castagna en Madrid. La représentation de la Galice pour les Bretons se fait à partir de la ressemblance avec la Bretagne. C'est le cas donc dans le premier article grand public sur la Galice, paru en août 66 en Ouest-France, où le journaliste Joseph Fontaine, qui tient une grande partie de son information d'Avalon et Caillon, voit en la Galice, qui est l'île de la famille celte, des paysages bretons, un petit côté de terre de Bretagne, un peu archaïque. Par exemple, si vous lisez bien la légende, les paysans de Galice portent tout sur leur tête. Mais aussi une province anciennement affectée par l'immigration, est de plus en plus concernée par le développement industriel, c'est notamment l'usine Citroën de Vigo. Une province qui occupe une position aussi atlantique que la Bretagne, pour conclure que l'une et l'autre, entre lesquelles il n'y a pas de Pyrénées, viennent à trouver les moyens de développer leurs échanges, qu'ils le souhaitent. C'est sans doute la première fois que le regard des Bretons se trouve ainsi attiré vers la Galice, avant que tous les Français, qui ne savaient pas tous que Franco et Ibarne étaient galiciens, n'apprennent en 1970 que le général de Gaulle a séjourné à titre privé dans le paradoxe de Cambados et a été fait cavaliero del capítulo serenissimo del vino de Paris. Il faut attendre 1985 avec la publication sous l'égide de l'Institut culturel de Bretagne par le comité Bretagne-Galice, du guide La Galice, préfacé par Gerardo Fernández Agor, pour qu'une idée plus complète de la Galice soit offerte aux Bretons, sans trop d'insistance sur les parallèles d'ailleurs, mais en 1987, la Galice est toujours vue à travers le prisme breton sous le biais de la ressemblance. Robert Omnes, qui est le président du comité Bretagne Galice à l'époque, parle de la Galice, une Bretagne galique. Et aujourd'hui encore, comme en témoigne la présentation qui en est faite sur la page officielle du festival interceltique de l'Orient, on trouve cette idée. Je cite, ondulée et verte, la Galice n'est pas sans rappeler la Bretagne, plus particulièrement dans sa zone côtière, avec les Alères, les Avennes, etc. La langue celtique s'est perdue, mais a laissé des traces dans certains nombre de lieux, etc. Bref, sur le web, on dit encore, la Galice, un maire de Bretagne, au nord-ouest de l'Espagne, aujourd'hui. Les racines celtes partagées ne sont pas oubliées. La Galice est un pays celtique au cœur de l'Espagne, fait partie des terres celtes, comme le montre ce petit ouvrage Hystère, très joli. Quelque chose d'évident déjà dans les années 60,
même si les affinités celtes, souvent affirmées et mises en avant, ont eu quelques difficultés à être prises en compte par les chercheurs, notamment les historiens. Constater que dans l'histoire de Bretagne et des pays celtes, publiée par Cobraise au début des années 80, on fait référence à l'île de Mans, mais pas de la Galicie. Alors, les pays celtes. Sauf précisément dans le dernier tome. La suite scientifique de la celtitude galicienne se jouera plus tard, mais plutôt d'ailleurs du côté galicien, je dirais, en jouant un peu sur les mots, dans l'immédiat, c'est plutôt la celtitude qui prévaut, avec notamment son expression folklorique dès 1954. Il y a des groupes bretons et des groupes galiciens qui procèdent à des échanges jusqu'à ce que le festival de l'Orient l'accrédite officiellement à partir de 1976, c'est-à-dire après la fin du siècle. Jusqu'à ce qu'arrive le phénomène Carlos Núñez, mais tout cela est inclus. Quant au mouvement breton, ça, dans sa version néo-nationaliste, moderne et rajeunie, il ne semble pas d'avoir éprouvé un intérêt particulier pour le courant nationaliste breton, même si les liens avec le Loupéa ne semblent pas exister, puisque au CRDC, on conserve un petit fou concernant ce mouvement-là. C'est davantage, semble-t-il, le statut d'autonomie de la Galice qui a pu servir de référence ou de modèle dans la revendication du monde autonome. En revanche, le caractère finistérien du monde, Penarbel, en breton, celui où même il s'achève le chemin de Saint-Jacques, est toujours rappelé jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est l'histoire des pays qui n'y a rien. Par exemple, vers Compostelle, la Galice est un des derniers petits ouvrages de vulgarisation qui ont été publiés, comme une autre ressemblance, pour se trouver bientôt englobé dans la notion plus géostratégique européenne de région périphérique, d'Atlantique ou de ville. Sur la ressemblance climatique, qui n'est pas vraiment un argument propice au développement du tourisme chez les Européens et d'autres, on ne s'attarde guère. En Galice, comme en Bretagne, il pleut, mais pas plus. Tels sont elles-mêmes les plus ou moins explicités et perceptibles, les identifiants bretons du mondialisme, plus en doute d'une façon plutôt un peu passéiste. Une vision sans doute renforcée d'ailleurs par les quelques expositions qui ont été offertes aux bretons à cette époque et qui persistent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vivant en concurrence, mais dans cette concurrence l'université n'a pas l'avantage, avec les nouvelles images produites par la recherche dans le cadre du dossier. Et si j'ai voulu commencer par rappeler ces représentations de la Galice, visuelles en Bretagne, c'est qu'il me semble qu'à des degrés divers, elles ont déterminé et à tout le moins orienté les courants d'intérêt économique, scientifique ou culturel pour la Galice en Bretagne. Alors je vais aller plus vite, parce qu'il faut que à 11h on est fini. D'abord, la Galice, c'est un autre Finistère européen. On le trouve très clairement exprimé par le CEDI, le comité de liaison breton, qui crée en 1966 le comité Bretagne-Galice. Et dans la présentation qui est faite de la Galice à cette occasion, on met l'accent sur les similitudes, bien sûr, qu'il s'agisse de la géographie, de l'économie ou de la population qui est de même origine ethnique et biblique, dans cet article qui paraît dans l'organe du CELIB. Mais ce sont clairement les intérêts économiques de la Bretagne qui sont d'abord mis en avant. Je cite, il s'agit en fait pour la Bretagne de se placer sur le marché espagnol qui est par mer un des débouchés naturels de notre région. Or, dit-on, l'Espagne va devenir, en 66, de plus en plus importatrice de produits que la Bretagne peut lui fournir. Or, ce raisonnement qui continue, il existe en Espagne une région d'origine celtique, la Galice,
qui peut être considéré comme le trait d'union entre la Bretagne et le reste de l'Est. Quel est le raisonnement qui est fait en 1966 lorsqu'il est le traité. Les affinités celtiques ne sont pas oubliées, mais elles ne sont pas, elles m'apparaissent comme subsidiaires par rapport à la position des deux provinces, comme on dit, à la périphérie de l'Europe. Donc, il faudrait pouvoir développer, il existe pour cela un fonds d'archives qui permettrait d'exposer plus finement. Du 24 au 31 octobre 1966, une délégation bretonne découvrira la Galice, on la voit ici photographiée avec le drapeau breton devant le stade Veillet-Chatonix. Alors ils ont parcouru toute la Galice pendant une semaine, largement. Et en juin 1937, ce sera une délégation galicienne qui parcourra la Bretagne. Et on a là une photo du maire de Lugo de l'époque qui échange des cadeaux avec le maire de Dinan. Puisque le résultat de ces premiers échanges sera d'un côté le jumelage Dinan-Nouveau, et d'autre part, probablement aussi plus important, l'établissement d'une ligne maritime entre Saint-Nazaire et Vigo en 1973. C'était le but, comme on l'a dit, du CELIP à Saint-Nazaire. Au total, donc cette intense mobilisation, plus évidente du côté breton que du côté espagnol, débouche sur ce que je viens de rappeler, au moment où est créée la conférence des régions périphériques maritimes, mais ça ne dure pas. En 70 déjà, ce comité ne fonctionne pas. Et c'est à ce moment-là que la Galice devient, je vais essayer d'expliquer pourquoi, un objet scientifique pour les hispanistes bretons. La Galice est considérée par les hispanistes comme un objet digne à étudier dans l'ensemble de l'espèce. Dans leur motivation, alors, d'un point de vue qui n'est pas simplement personnel, j'ai posé la question à Bernard Begonidec avant de le dire. Dans leur motivation, plus que leur connaissance encore très limitée de la Galice. Dans les manuels scolaires, on apprenait l'espagnol. Je ne sais pas si la Galice est mentionnée, certainement par l'image de l'Espagne, c'est pas celle de la Galice, ni de l'Espagne attendue. Dans leur motivation, je crois qu'il y a à la fois la volonté d'affirmer une différence, de rompre avec des stéréotypes exotiques concernant l'Espagne méditerranéenne, en revendiquant l'Espagne atlantique, humide et verte, et sans doute la quête déjà nostalgique de paysages et d'une rivalité perdue en Bretagne, mais conservée en Galice, teintée, pourquoi ne pas le reconnaître, d'un celtisme diffus et pseudo-identitaire dans un cadre européen où les régions périphériques commencent à donner de la voix et à s'organiser. Dans un espace, disons, Atlantique. Cela donnera lieu au moins à trois initiatives. La création d'un centre de recherche sur le nord-ouest de la péninsule ibérique, qui fonctionnera paille que vaille entre 1977 et 1980. Paille que vaille, parce que j'étais responsable à l'époque de ce centre. Un voyage d'études en 1977 de 10 étudiants. Maîtrise de sciences et techniques, relations internationales, particulièrement importante, semble-t-il, probablement pour les étudiants, mais pour nous aussi, parce que nous sommes arrivés en Galice au moment où tout changeait. Et nous avons recueilli des points de vue très contrastés à ce égard. Et ensuite, je l'ai rappelé tout à l'heure, une convention avec l'Université de Saint-Jacques de Compostelle, que nous sommes venus faire signer en 1978 et qui a donné, elle, beaucoup de résultats. Le centre, son principal résultat, me semble-t-il, c'est qu'il y a une première constitution d'un centre de documentation sur la Galice. En 1980, c'est déjà quelques 100 ouvrages qui existent. Donc un accord de coopération qui
qui va donner lieu à des échanges d'étudiants, donc je ne vais pas développer, à la présence régulière à Rennes de lecteurs, qui est un des de ceux que je connais évidemment le mieux, mais aussi de professeurs de l'université de Santiago de Compostela et guidés par notre université. Notamment Miguel, cité tout à l'heure, Javier Casso, une personne qui est parmi nous, et d'autres aussi. La participation de chercheurs à des congrès et colloques organisés en Galice ou en Bretagne, et pas toujours à propos de la Galice ou de la Bretagne d'ailleurs, sur des sujets qui sont la participation des jurys de thèse, la direction de thèse, jusqu'à aujourd'hui. Tout cela a favorisé évidemment une plus grande mobilité des acteurs de ces participations, sans oublier évidemment les deux doctorats en Wisconsin, donnés par notre université, l'ESFET en 2012 et à la Mondial Espace en 2017. Tout cela a été accompagné d'une importante production scientifique sur la Galice à Rennes 2, mais aussi dans les autres universités de Bretagne. Alors, avant 1967, il y avait déjà des travaux sur la Galice à Rennes 2, notamment Jean Pouillet, qui travaillait sur les régions atlantiques d'Espagne et préparait une contribution à la géographie des climats humides et latitudes moyennes, qui s'appelait en 1977. Et il y avait d'autres mémoires. À partir de 81 et jusqu'en 93, grâce essentiellement à Bernard de Lubeck, on trouve un nombre très important, pas moins de 19 mémoires sur la Galice qui sont soutenues sur tous les aspects. D'abord, des mémoires élaborées à partir de la presse galicienne, car en 76, moi j'avais souscrit un abonnement à la Rose de Galicie pour recevoir tous les jours. Donc, le jour où, et j'avais aussi initié une souscription à la Grande Encyclopédie Galicienne, ça donnera une facilité par la suite. Voilà. Donc, dans la version écrite, je dirais en quoi consistaient ces recherches très variées, alors dans une perspective comparative, entre la mort et l'au-delà dans la tradition bretonne galicienne, mais aussi les villes romaines de bord de mer en Galice et en Argentine. Après le départ en retraite de Bernard de Lubeck, cela a, j'ai oublié de vous montrer, le comité Galicia-Bretagne qui a existé. Peu de temps, il a existé. Ah oui, bon, il était présidé par le représentant du gouvernement central, responsable de la région économique nord-ouest de l'Espagne. Donc, il avait peu de chances d'être particulièrement actif. Bernard de Lubeck prend sa retraite en 1994, on lui rend un hommage tout à fait mérité. Et après, j'observe que même si quelques thèses sont soutenues, notamment une thèse sur Conqueiro, mais aussi une thèse sur l'ardoise en Espagne, où la Galice est très présente, on trouve une sorte de chute, je dirais, dans la communauté scientifique à Rennes 2. Dans les autres universités bretonnes, Bretagne occidentale, vidéo, on trouve un intérêt marqué pour la problématique de Celtes. En 97, est organisé un colloque international sur les Celtes et la péninsule ibérique, dans laquelle participent beaucoup de chercheurs scientifiques. Un intérêt pour le celtisme qui sera prolongé par le colloque de l'Orient de 2010 sur le celtisme et l'interceltisme, mais une notion en concurrence déjà avec celle plus économique ou géostratégique d'Atlantique, comme en témoigne le courage de son moyen. Avec des articles donc sur la Galice dans les deux cas, cependant dans sa thèse de 2013, sur l'interceltisme, Erwan Chartier ne traite que très marginalement de la Galice. Quant aux mémoires soutenues à Brest, il y en a, à Moria, à Romero, à Manuel Fraga, en Piedras, en Bretagne, en Galicia, aux légendes traditionnalistes.
À Lorient, malgré l'accord signé en 2018 entre l'Université de Rouen et Lyon, il ne semble pas y avoir de ligne particulière. Quant à l'Université de Nantes, elle s'est manifestement très tôt intéressée à la dimension maritime de la Galice, et on trouve des études sur la viticulture, sur le développement des ports, etc. Donc, après cette date, au XXIe siècle, à l'AE, on peut évidemment normalement étudier de nouveaux sujets, de nouveaux auteurs, comme Manuel Rivas ou le réalisateur Fernando León de Aranova, ou encore un mémoire curieux parce qu'il n'a pas d'auteur et pas de date, mais je pense qu'il l'a attribué à Oltanovo, qui est conservé dans la bibliothèque universitaire. Pour aller vite, je caractériserai cette nouvelle période par une diversification des secteurs de la connaissance s'intéressant à la Galice. Au lieu que ce soit le département d'espagnol, on trouve le département d'histoire, le département d'infocom, etc. Ou l'autre université sciences politiques qui s'intéresse à la Bretagne, c'est une première caractéristique. Et l'autre caractéristique, c'est la prise en compte, je dirais, dès 84 de la Galice, d'un exemple galicien, dans le cadre de réflexion internationale comparée. C'est-à-dire, ça n'est plus la Galice comme objet unique, ça n'est plus une perspective de comparatisme bilatéral, mais c'est la prise en compte de l'exemple galicien dans une réflexion beaucoup plus générale. Alors, à propos de tous les sujets, ça peut être l'habitat dispersé, ça peut être les médias, ça peut être le bilinguisme, ça peut être le régionalisme après la régionalisation, ça peut être l'organisation des institutions. Tout cela est constatable, sans oublier évidemment, car j'ai failli le faire, l'intérêt constant que représente la Galice pour les spécialistes de la mer. Et à l'Université de Bretagne occidentale, il y a un institut universitaire européen de la mer qui, manifestement, entretient des relations avec les chercheurs galiciens. Sans oublier non plus, évidemment, les géographes, pas forcément bretons d'ailleurs, avec Bouillet, qui sont intéressés aux affinités géologiques et climatiques de la Bretagne et de la Galice. Voilà pour ce qui est de l'apport universitaire. En même temps, à partir de 1980, avec la refondation, peut-on dire, des comités de Bretagne-Galice, on observe un autre courant qui est beaucoup plus fondé sur l'établissement de relations humaines, même si les relations scientifiques ne sont évidemment pas étrangères à cela. Plus je vis, plus je constate l'importance des relations personnelles lorsqu'on développe des recherches et des amitiés. Le comité Bretagne-Galice, deuxième époque, va non seulement maintenir, mais développer ce courant d'intérêt de la Bretagne pour la Galice, avec des difficultés sans doute moins économiques et plus culturelles. Alors c'est la publication, on l'a vu tout à l'heure, de la vie de la Galice, ou la traduction en 1987 de Strauss-Zelpeder, mais aussi la signature de très nombreux jumelages, dont la vie a été plus ou moins effective. Même Rennes, fini, va se jumeler avec Santiago de Compostela, parce que j'ai retrouvé une lettre de moi en 1980, demandant au maire de Rennes de rétablir les contacts avec sa vie à 20 ans. Le dernier jumelage a été signé en septembre 2017, entre la Tourmale et Camaïs. De 80 à aujourd'hui, le comité Bretagne-Galice a joué un rôle fondamental dans l'information d'un document breton, même si c'est limité, sur la Galice. Et aujourd'hui encore, le bulletin du comité Bretagne-Galice publie aujourd'hui informatisé. Apprécié au relais d'information à propos de la Galice. Il a, dans son dernier numéro, annoncé ce colloque. L'histoire des jalons.
vient le moment important où la Galice elle-même se préoccupe d'une politique culturelle vers l'extérieur, avec la création, si j'ai bien compté, de 41 centres en 2006, 41 centres d'études galiciennes dans le monde. Donc, hein, naturellement, logiquement, en Bretagne, à Rennes. Alors, ce centre a fonctionné jusqu'en 2010 ou 2011, je n'ai pas encore pu arrêter exactement la date de sa fin. Il a eu des effets que l'on peut énoncer de la façon suivante. Il a permis l'initiation à la langue galicienne de entre 15 et 25 étudiants chaque année dans le cadre d'un cursus d'espagnol avec la présence d'étudiants Erasmus galiciens, des chiffres modestes, mais cet enseignement a aussi pu être relayé grâce à des outils pédagogiques appropriés, notamment par le comité juridique. Ce comité a pris des initiatives visant à faire connaître la Galice dans ses dimensions historiques et actuelles. Alors, je ne vais pas donner de détails, on le trouvera dans la version écrite, en organisant des journées d'études galiciennes, en organisant des expositions, en organisant des conférences sur le mouvement ouvrier, mais aussi sur le cinéma galicien. Un des conférenciers de l'époque, José Manuel González Herrán, avec Luis Hueso, qui est venu deux fois, je crois, hein, nous initier à la connaissance du cinéma galicien, des animations, et il a joué également un rôle d'intermédiaire et d'impulsion de projets de toutes sortes, certains non aboutis, mais qui me semblent très intéressant comme un projet de musée ethnographique, de musée de l'ardoise, etc. Il a permis au moins un tas de projets, un double diplôme en sciences économiques entre Saint-Germain et Rennes. En tout cas, l'ouverture à d'autres disciplines que celle de la philologie traditionnelle, ça me semble très important. Et il a aussi publié, bien que n'ayant pas de programme scientifique propre, des cahiers galiciens. Où on trouve les quatre langues, le galicien, l'espagnol, le français et le breton. Voilà. Le numéro 4, intitulé au ménage et à Emilia Pardo Bazán, déclenchera jusque dans certaines villes en Galice une campagne de dénigrement du directeur de l'époque, Moïse Silesias, auquel on ira jusqu'à reprocher de venir de la Rioja, et qu'un centre d'études galiciennes était capable d'avoir invité un professeur de la Cinesanto de Compostela à parler de l'adaptation cinématographique de la Regenta. Un excès qui, me semble-t-il, n'était pas bienvenu au regard de ce qui était fait à cette époque. Reste aujourd'hui de cette époque, surtout des dernières années, je dirais, la constitution au sein des bibliothèques universitaires d'un important fonds documentaire sur la Galice, certainement un des plus importants en France. Il y a plus de 1600 références sur la Galice conservées dans la bibliothèque. À titre de comparaison, il y en a 130, je crois. Hein, quelque chose de très important. Ce qui ne m'appartient pas de faire le bilan de cette époque. Néanmoins, je dirais qu'il me semble qu'on n'a pas su trancher véritablement entre deux conceptions de ce qu'on a appelé ambassade de la Galice, entre une conception plutôt fermée, je dirais, de la Galice, centrée autour de sa langue, avec un public constitué essentiellement d'hispanisants galiciens, et une sorte d'entre-soi, élargie au département du Breton, néanmoins, et une conception plus ouverte
peinture d'extérieur susceptible de projeter une image plus moderne et dynamique de la Galice. Donc, on transmet le sujet aux historiens d'histoire récente. Ce qui est sûr, c'est qu'en dehors du centre galicien, enseignement de la langue mis à part, l'intérêt pour la Galice en tant que scientifique, c'est de continuer. Et de façon peut-être plus impactante, on observe une importante évolution dans le statut même de la Galice comme objet scientifique, qui peut être encore spécifique, sans dimension bretonne intérêt, mais aussi de plus en plus inclus, comme je le rappelais tout à l'heure, dans des questionnements plus vastes en raison de ses spécificités, comme région atlantique, comme région périphérique, comme région bénéficiant d'un statut d'autonomie, dans un but comparatif qui dépasse largement le cadre bilatéral. Et je voudrais aussi rappeler en tant qu'avec Breton que la Bretagne n'est pas la seule région de France, la seule université qui se soit intéressée à la Galice. À Dijon, il y a un centre important. On trouve à Caen, à Paris, évidemment, d'autres recherches. Représentative de ce premier courant, la Galice comme objet spécifique, notre démarche menée autour de la grande encyclopédia gallega, cette recherche successivement dirigée par Philippe Castellano et Christine Rivalandiego, me semble bien représentative, car elle s'inscrit dans un cadre plus global, une étude sur les encyclopédies territoriales en Espagne, parce qu'elle a supposé d'intenses recherches et échanges avec la Galice, et qu'elle a débouché sur un livre en 2016, je pense qu'on va oublier tout ça, avec donc la collaboration des acteurs qu'on trouve ici, Portrait juré. L'autre tendance, c'est celle d'un comparatisme élargi en termes scientifiques et spatiaux, qui, à mon sens, a été amorcé en 1984 avec la présence à Rennes de Jean-Marc Gigales, dans le cadre d'un colloque organisé par un autre groupe de recherche, là, sur la typologie de la presse, et qui peut être illustré par l'intérêt de chercheurs nantais au secteur de la pêche, de Romain Pasquier pour les politiques territoriales, mais aussi par un interceptisme fagocité de fait par l'arc atlantique dans un ensemble de plus en plus européen. Alors, je vais conclure. Il n'y a jamais eu de Pyrénées entre la Galice et la Bretagne, c'est vrai. Alors, rien que le golfe de Gascogne, ça me semble aussi important d'ailleurs. Et au fil du temps, grâce aux hommes et à l'amélioration des communications, mais aussi à l'Europe, la distance qui continue de séparer ces deux ministères européens a eu tendance à se faire moins évident, même si pour venir de Brest à Santiago, il faut parfois prendre pas mal de vols, Brest, Paris, Paris-Madrid, Madrid-la-Corogne, Saint-Gilles. La Galice, si presque tous ces aspects, est devenu un objet bien identifié, un objet en soi, d'une par rapport à l'autre, y compris, et c'est un hispanisme qui l'a dit, en dehors de la sphère de l'hispanisme, comme il a émergé, et même si on y rencontre toujours un intérêt particulier, la Bretagne ne dirait pas, heureusement pas, le monopole de l'intérêt pour la Galice, et l'attention portée par la Galice à la Bretagne, ou la Bretagne par la Galice, ne sont pas les seuls regards que la Galice et la Bretagne portent sur l'Europe. Et le groupe reste, et je terminerai par une citation de Jean-Marc Gigales, que la Bretagne et la Galice peuvent être deux exemples magnifiques de peuples européens sans perdre leur identité la plus intime. Voilà un thème intéressant à étudier ensemble, et c'est ce que nous allons faire, me semble-t-il, dans ces deux journées.
passivo coesistenza e portanto non contatto pensato contare perché già stavamo dormendo, già acabamo la nostra franja oraria, però algo tiene che dire. Primero che parte del mio interesse per Bretagna, lo studio, la scrittura sulle Bretagne, feita desde Galicia, están contidas basicamente no discurso que pronunciei en Reno, como versión do título do Dr. Moisés Causa, que hai unha edición en francés moi limitada, pero que este mes, o mes que ven, quero dicir, saíra unha versión en galego, na revista Liliar, por tanto, todos os presentes que teñan algún interés por isto, tampouco os quero molestar moito, con estas informacións, pois poden ler o Entón, vou facer só 5-10 minutos unha aproximación ao interese de Galicia por Bretaña, que pasos fundamentais deron e en que vía estamos agora. Realmente, bom, xa dixo por dúas veces, non sou profesor Botrel, tamén sou profesor Olivier David, como, que as semellanzas Galicia-Bretaña son evidentes, pero son as semellanzas que en parte disuaden a nosa propia tensión investigadora, porque o que é evidente parece que non necesita demostración. Cunqueiro, que é un dos guías para mí moi importantes neste asunto, cando, despois de escribir as crónicas do Chandre, organizou co seu amigo Francisco Fernández Riego e con Rial, que no punto que é Pedro Rial, unha longa excursión á Bretaña, onde descubreu que aquilo que ele vía na Bretaña xa estaba perfectamente escrito e descrito e imaginado no seu texto, sin nunca estar na Bretaña. Aí está o asunto. Isto para teóricos da literatura deve ser un exemplo moi importante para estudar. Como pode ser máis perfecto a imaginación do que a realidade? Pero decía cando acabou, escribía para os seus leitores de Faro de Vigo o seguinte: hai habido en Galicia celtas ou non? La verdade é que a Bretaña nos está moi próxima. Somos iguales balcones sobre o ancho océano e tiene que haber unha tribu antigua repartida por todos os finisterres que haya soñado os mismos mitos en común. Quase resume bastantes problemas ou bastantes desafíos que nós teríamos que afrontar. Primeiro, esa irmandade etnocultural, celta, celtismo, etc. Segundo, unha tribu antiga, que está máis difícil de percibir. E segundo, e terceiro, as creencias, a religiosidade, os mitos, que supostamente serían debidos, por ser Cunqueiro, a unha tribu antiga, pero que non teñen por que ser necesariamente así. De modo que hai evidencias un pouco engañosas, pero evidencias de que hai moitos parecidos, pero tamén hai moitos bloqueos, porque non se desenvolveron o suficiente, non? As evidencias xa foron contadas. Os bloqueos non vou insistir moito neles, pero gostaríame, por exemplo, referirme a un punto que é bastante indicativo, que é o asunto da irmandade celta. Hoxe non está en dúbida, desde o punto de vista do que podíamos chamar un nacionalismo banal, aos bellos, soft, que hai moitas expresións na música, na literatura, que se podían atribuir, na comida, en moitas cousas, se podían atribuir a unha especie de irmandade celta entre Bretaña e Galicia, mas con Irlanda, con Escocia, etc. Isto, en cambio, no tempo de grande eclosión do celtismo en Francia non provocou relacións con Galicia. E no tempo de renxente do celtismo en Galicia, que foi cerrado no Estado, non provocou establecente relación. Aquí hai un exemplo de historia paralela, pero discontinua no tempo, desigual no tempo. Porque o celtismo realmente está creado no século XIX, ten unha raíz bretona, escocesa, e tamén unha raíz francesa, no sentido que é unha alternativa ao xermanismo ou romanismo, portanto, é unha forma diferente de entender a constitución histórica de Francia,
che fu poi importata la penisola, primero via Catalogna, dopo il settore di che potevo dire, una via inversa del Pellegrino, e che costituisce soprattutto tra le ore di Bulgaria un gran paradigma interpretativo di Galizia. Ma come se la evocava il professor Botrello, quando fu buscato a un autore che aveva castellato, di altro che il salto dei Confini, che è l'autore di un'opera che molto ampia, di articoli, di studi, eccetera, e c'è un articolo molto interessante che si chiama Le Burman Pansentino. L'anno 1904, se non ricordo. E fai un resumo di come sta emergendo in tutti i suoi paesi esterni la sua cultura, la lingua e soprattutto la sua vita politica. Incluso fai referenza al papel che la collettività degli immigrati sta a effettuare sopra, o sta a incidere sopra questi movimenti in Bretagna, specialmente in Scozia e in Irlanda. Ora la pregunta è, perché non sta Galizia lì? Tiene migranti, tiene autori esterni, tiene poesia che si ispirava in los mitos esterni, tiene un pondar che creò un inno galego che è veramente un canto a estos mitos in comune, o mitos esterni, los che arrugia con Teiro, ma non hai ninguna relazione. Portanto, è una stanchezza che tenemos che sperare. E temo di studiare. Sta anche chiaro che nemmeno sì. Claro, leggendo le memorie di una grande storiadora francese, di origine bretona, che è Monnat Ossouf, un libro delizioso che si chiama Composition francese. Guarda, in questo libro che racconta la sua infanzia bretona, un modo come crenare, per evocare un po' un souvenir dell'infanzia genese del Renato. E nessa memoria è la fama che se non era un paio breton bretonale, non cambiò il suo nome latino con il nome di Pia Breton, e parlava breton, parlava una casa breton. Ma quando fui a scuola, también era aveva una formazione familiare ma che stava, vediamo che, os paesi acerti. Estaba Escocia, estaba Mar, estaba Cornwall, estaba Irlanda, estaba Bretaña y Galicia. 2009, 2009. ¿Y Galicia? Y una palabra. Por tanto, aquí tenemos un problema, que digamos, el lenguaje de Houston, ¿no? Aquí tenemos un problema. No obstante, hay otros puntos, otros ámbitos en los que esa relación fue más intensa. Creo que aquí tenemos que evocar brevemente sobre todo lo que se hizo en la época de la Segregación NOS por parte de Galicia, y luego o aproximación y mandal establecida por vidas muy distintas, ya durante el franquismo y posteriormente en época democrática, que fue bastante intenso, pero de otro sexo, ¿no? A importancia da xeración nos é que tratou de ir a Bretaña, é de romper o maleficio da época do regionalismo de saber que existía Bretaña, de falar da armónica da poboación armonicana, pero non conocer directamente, e o primeiro que vai é Castelao, e Castelao afronta un traballo de comparación. Cruces de pedra en Galicia, cruces de pedra en Bretaña. Por tanto, con independencia do resultado, da súa interpretación, que isto non é cosa de discutir aquí, Castelao, que é o que está presente aquí no folleto que encabezamos no Congreso, o que trate de buscar ese elo común, esa liaison común entre Bretaña e Galicia. E encontro-e de unha forma indirecta, porque claro, hai unha religiosidade, hai unhas formas artísticas que expresan eso, mas a interpretación, no meu ver, é bastante distinta. Aquí temos un experto dos bruceiros, un patro público, por tanto non me estenderé moito nisto, pero entendo que as formas son así semellantes, o sentido, o significado son bastante distintos. O que eu entendín, no caso bretón,
os cruceiros forman, están sempre nas igrexas, mesmo moi perto do cementerio, porque o cementerio é o punto central da religiosidade. E isto nos conecta coas crónicas do Sochante, porque son ánimas que van na diligencia. Son sombras que foron vidas. En cambio, en Galicia, na miña opinión, moitos dos cruceiros, sobre todo os máis modernos, ainda que o todo acceso dos cruceiros discrepa, eu sostengo, sigo sostendo, que é unha forma de cristianar o territorio. É dicir, que teñe máis que ver co asentamento sobre o territorio do que coa propio cementerio e o propio nomeazamento das ánimas do purgatorio. É discutible, pero non quero dicir que Castelao, por tanto, tratou de conhecer Belzaco. E outros membros da xeración, nós, tamén os tiraron entre se eran sur da Celtia ou se eran confina romana, por tanto, estaban combinados entre sur. Pero hai un punto que, de novo, nos introduce bloqueo, e é Irlanda. Se por exemplo, Otero Pedrallo, ten moi interés por Bretaña. Ten un artigo delicioso chamado, dedicado Celtismo de Chateaubriand. El morreu lendo a Chateaubriand. Pero, en cambio, cando fai os seus personaxes actuar e desenvolverse por a xeografía europea, Bretaña quase non fai. Por exemplo, estudar Pai Soltero, Camiño da Vida, 1928. Este Paio Soltero era reconstruído por Otero Pedrallo como unha figura, un estudante que vai a París e en París se encontra con que? Con polacos, con poloneses, con irlandeses. É un exercicio, eu creo que era anacronismo histórico, por parte de Otero Pedrallo, en fin, esta é outra cuestión. Non había daquela en París irlandeses no sentido político que lle dá. Pero, en fin, admitindo isto, o romance dice, bueno, os O'Brien, que se encontra en París, convida o estudante galego a ir a Irlanda, fazer unha viaxe a Irlanda, que foi, pasando por Bretaña. E de Bretaña só está incluído un viaxe de Vicencia, que cousa moi notable, que era de Vicencia. Un mozo alto, gordo, ben parecido, culto, que non estaba, en fin, que estaba moi caradinho e que de repente resultou ser nada máis e nada menos que Renan, que acababa de sair do seminario de San Sulpís e iba de vacacións a Trigier. Pois só esta mención. Entón, aquí tamén hai vontade e hai bloqueos. Creo que, en cambio, a xeración non se incorporou a outros temas, os tópicos literarios máis importantes da literatura de orixe bretona que cargaba a ver o que estaban intentando facer. E, sobre todo, aí está a obra de Chateaubriand. Chateaubriand é un autor que inspira non só ao Otero Pedrallo, senón a todos os seus seguidores, por exemplo, Cunqueiro entende que Chateaubriand é o seu autor de cabeceira sin ser. Incluso os autores que sin ser bretons influíron moito como Maurice Barrett, o propio Renan, que é bretón, ou Penn, que non é bretón, creo. Entón, por que foi aquí? Agora é un caminho distinto. Que é que a influencia de Chateaubriandesca, podemos dizer, de Chateaubriand, permiteu explicar dous problemas que para a situación non eran moi importantes. Un era o paso do tempo. Como muda a historia? Entón, porque estaban preocupados por os efectos das mudanzas, especialmente da revolución. A revolución, por tanto, máis en aquela altura, xa estaba funcionando a soviética, pero a revolución ainda sigue sendo a revolución francesa. Como se sabe, esta é unha das obsesións de Chateaubriand. Por tanto, era unha forma de conectar con un pensamento, 100 anos despois, antimoderno, ou da chamada Revolución Conservadora. É dicir, como explicamos a ruptura histórica? E o segundo punto que se importaba moito, creo, era a idea, podemos dizer, a decadencia. A decadencia. E a decadencia ten que ver
un peu de une réflexion sur un finis galèque, mais finis autre, finis Espagne, un finis galèque, à quoi se deve, à quoi se podría dever? Se deve basiquement à la décadence des castes ou des estirpes, d'aristocracia, qui est entrò en le législatorial, pour le camino des vaidades, que peut être privilégiale et alta, acabó un simple valor de vaidad. Y esto creo que conforma gran parte de la cultura galega, pero no se reconoce su origen de todos. Es un origen difuso. Entonces, tenemos aquí influencia, pero no reconocimiento. O no me dice esto explícito. Pues claro, también se mezcla otros elementos. Y finalmente, lo que dice que va a ser breve, me importa mucho sublinhar el hecho de que deixarei que non podo entrar neste asunto de si estas regións, nacións culturais poden ser realmente comparables, porque Bretaña e Galicia, que é moi importante, porque isto veremos, creo, en algún punto do coloquio. E me interesa decir que un modo de resolver esta especie de estanqueidade, de separación entre estes dos mundos, fixose sobre todo por a vía da literatura e da música. Curiosamente, non por a vía da historia, non por a vía da política. Non por a vía da investigación empírica, a pesar de Castelao e outros autores posteriores, porque a música rompeu unha barreira que non necesitaba mesmo unha gran argumento ideolóxico. Como podemos empezar a ver a música, os intercambios musicais empezaron a facerse nos anos 50. Eu descubrí en Pierre Jacques Elial unha referencia a que cando organizaban os festivais regionais franceses decidiron nun momento determinado convidar a grupos galegos. Na mesma idea que aquí estou desenvolvendo, como unha mostra desa fraternidade ou irmandade certa. Xa nos faltaban, viñamos escoceses, viñamos irlandeses, faltaban os irmáns galegos. Os irmáns galegos. E isto foi feito nos anos 50. Despois de decidir iso, descubrín dun dos membros dunha sociedade coral máis importante casi de Galicia, que era a Coruña, que era Laureano Álvarez, na súa propia biblioteca mostras do festival que se fixo en Brest en 1950. E este señor, Laureano Álvarez, que era un crítico de arte, literario, de la voz de Galicia e outras cousas, é un dos que está detrás da creación do festival Céntico de Ortigueira, 1978. Por tanto, nada aparece por xeración espontánea. E a música está dunha forma periódica, sexa en Brés, sexa en Ovián, sexa en Vigo, sexa na Coruña. Xa en Unqueiro, cando foi a lá, aquí realmente discútese de gaitas con Galicia de fútbol. Xa é moito decir eso. E, por tanto, porque había moitos construtores, porque entendeu ou descubreu que había moitos construtores de gaitas en Bretaña. Por tanto, había unha floración de música extraordinaria. E o da literatura, que iso xa será tratado en parte coa mesa ronda de Gala Cunqueiro, pero que se podrá ampliarse a outros ámbitos, non só porque a materia de Bretaña, que foi o xeto, enfim, da xeración nosa, da xeto das irmandades, Cabanillas, por exemplo, pero que, sobre todo, constituiu unha fonte de inspiración para Cunqueiro, e fonte de inspiración para a literatura, a nova literatura e a nova narrativa dos anos 60 para adiante, moita dela vinculada ao novo nacionalismo, nacido nos anos 60, e que, de algún modo, recolhe un mito liberador, no ciclo artúrico, e na inspiración da Bretón, que non é Cruzeiros, que non é Cruzeiros, que non é Renan, que non é intercambios banais tipo musical, pero que creo que forma unha parte importante do tópico relevante na literatura galega actual. Non só o mellor cultivador
nos anos 70, 80 e 90, incluso, que foi Méndez Ferrín, no? E moitos seus seguidores, ou os que, máis ou menos, están na súa, no seu roncer, na súa, que son seguidores literarios, por menos, deste romancista que é Méndez Ferrín. Bueno, e, por tanto, queda moito traballo por facer. Amigos, queda moito traballo non só para contarnos cada un que somos, senón contarnos o que conjuntamente podemos facer e podemos entender. E aí, quero acabar tamén con esta referencia que fixo Jean-François, que, en parte, no meu texto está inspirado tamén nunha reflexión do historiador Joël Cornet, que, quando acaba falando do enigma de Tom, na súa historia de Bretaña, de Tom, é un parecer moi feliz isto, tamén temos un enigma galego, non? É o enigma de somos antropológicamente moi fortes, cunha cultura moi arraigada, cunha identidade que, desde o punto de vista, podemos dizer máis pre-política ou cultural extraordinaria, pero non ten unha traducción política, especialmente Bretaña, que xa máis, unha traducción política directa. E ten por que ser, está un exemplo moi bon para estudar o que hai de haber o debate entre nacionalismos étnicos e nacionalismos cívicos, ou primordialistas e modernistas. Ou se debemos atender aquilo que son, que nos ven dado da tradición da historia, ou se debemos atender aquilo que é voluntarista, que é decisión das persoas, nun momento determinado. E aquí, creo que un punto de encontro é unha certa concepción europea do futuro, en momentos en que Europa está posta en cuestión. Pero se algún lugar hai en Europa para poder proclamar esta idea, é Santiago de Compostela. Final do itinerario cultural europeo, que nace na Rue Saint-Jacques, en París, que non atrocea. E, por tanto, que se chama o que nos estou dicindo. Esta parte. Bueno, queridos amigos e amigas, 5 minutos para un breve receso e comenzamos con o próximo tema.